بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. بونسوار. On peut observer un tersissement de la concentration, un tersissement de la vie mentale, surtout lors de, par exemple, des chocs, lors d'un état mental soudain qui est différent de la personnalité quotidienne et s'introduit dans le vécu du malade. On peut voir ça aussi, c'est-à-dire le tressissement du champ de la conscience, on le trouve lors des amnésies électives, amnésie chez l'hystérique par exemple, amnésie de certaines parties de la vie qui ont été perturbatrices. Où il y a un problème de séduction, un problème d'abus sexuels, etc. Il y a, à côté de ces amnésies-là électives, ces lacunes-là, elles sont, comment dirais-je, remplacées par des fabulations, c'est-à-dire une création imaginaire de la part du malade pour combler ces zones d'ombre et ces zones, comment dirais-je, brumeuses. Et puis, il y a le syndrome de Gonsen. Où il y a des troubles de la concentration, il y a des réponses à côté, des troubles de la mémoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.